Ah non, elle est cachée. La moto. La moto. Les gens de vie. 70% chocolat. Ou bien 80% chocolat, ou bien 100% chocolat. C'est pas vrai. Pourquoi? Le chocolat, c'est très amer. Il faut avoir beaucoup de sucre pour être douce, pour être sucré. Vous voyez? C'est pas vrai, le chocolat, il va le marché, il a dit 70%, 80% chocolat. C'est pas vrai. Parce que le chocolat, c'est très amer. Hein? Chocolat, 100% chocolat, pas de sucre. Et puis c'est très amer. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. 100% chocolat, il n'y a pas de produit chimique, c'est tout naturel. Si j'expérimentais, s'il vous plaît, casse-moi la gueule. Parce que c'est 100% de chocolat. La cabosse, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent ça en deux. Ils prennent le grain, ils mettent au soleil, séché, pendant 7 jours, ils passent ça au feu et puis ils pilent ça dans un pilon en bois, ils frappent ça dans un pilon en bois. Est-ce que vous connaissez bien le pilon? C'est pour écraser. Oui, un pilon en bois. Ouais. Le chocolat, le cacao en poudre, ça va mélanger avec le produit chimique pour faire le chocolat. Chocolat va vite à ce marin. Regardez bien. Je ne pensais rien d'autre. Je t'ai ça, c'est du chocolat. Ouais, il est blanc. On est tous surpris. Ah, c'est du gars. Malcan. Luchen, wie eine Karamelle, wie eine Bonbonne, aber man darf nicht beißen. Richtig bitter. On peut sucer ça comme une caramelle, mais s'il vous plaît, ne craquez pas. Ne crachez pas. Là, mais celui-là, ne croquez pas. C'est très amer. Hein? Moi, après 2 minutes, je serai mort. Vous voulez-vous? Tous les jours, dans un an. Ça seulement. Tous les jours. Les chocolats, parce que c'est toujours un jour. Jaune, c'est mire. Les noirs, c'est cassé, c'est pas bon. Le vert, et puis les petits, l'arbre en train de fleurir encore. Si vous venez ici, vous allez voir la fleur. C'est tous les jours. Regarde. Caca. Ça, c'est des égouts. Je connais bien les pieds de café. Je prépare un outil là maintenant, j'ai laissé ça, ça c'est café. Je peux sortir, je vais jamais laisser. Monsieur, regardez bien. Moi je vais dans un autre, je prends le café toujours, parce que je connais le pied de café. Ça s'appelle cacao espagnol, les autres s'appellent Sanchez. Sanchez, ok? Français, ça c'est la vanille. Je sais bien que chez vous, la vanille, c'est très cher. Ici, si vous voulez acheter quelque chose, c'est pas cher. Cette bouteille-là vous coûtera 1 million de dollars. Et... 2 millions. Ça, c'est l'extrait de la vanille. Mais nous, on n'a pas vu la vanille. Comment? On n'a pas vu la planche de la vanille. Madame, attends-moi. Ça, c'est la fleur de la vanille. Avec ça, on fait le. On peut faire 10 jus. Un petit jus citron, un petit jus d'orange, n'importe quoi. On met un petit bout. Si vous voulez que votre chambre, ça sent comme paradis aussi, un petit goût, ça va sentir comme paradis. Vous allez prendre l'odeur. Si j'ai supplémenté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous me cassez la gueule. D'accord? Ça, c'est très fort. Viens la ligne. Là, il s'appelle le sirop de la canne à sucre, qu'on s'appelle la mélasse. Ah. Aux Antilles, des gens qui ont déjà voyagé aux Antilles, il s'appelle batterie. Mélange avec un petit peu de rhum. Vous buvez. Si vous êtes célibataire, ne touchez pas.
si vous êtes célibataire, ne touchez pas. Ça, c'est boire avec du rhum. Célibataire, s'il vous plaît, ne touchez pas. Ne touche pas. Maintenant, ça, c'est le chocolat. Le cacao en poudre. En poudre. Ça, c'est le grain du cacao. Vous allez sentir aussi prendre l'odeur. Si ce n'est pas vrai, c'est à 100%, qu'est-ce que vous allez faire? Non, vous me cassez la gueule. Café. Si ça ne sent pas comme café, qu'est-ce que vous allez me faire? On casse la gueule. Vous me cassez la gueule. Ok? Bien. Comment se préparer à la maison? Non. Oui. Non. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis jalouse. Comment se préparer à la maison? Comment se préparer à la maison? Deux verres d'eau chaude. Une verre du lait. Ah. Ok? Deux verres d'eau chaude, une verre du lait. Petit qui est pour les enfants. Petit, un petit poudre. Pas gros qui est, un petit petit. Mélange. Vous buvez ça. Un petit peu de cidre, un petit peu cannelle. Savon pour vous, vous comptez problème du cœur. Pour les hommes qui ont plus de 30 ans, contre la prostate. Ça fait de l'horreur, hein? Vous voyez? Contre la prostate. C'est pas rigolo, hein? C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Attends, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez bien. Ça peut rester chez vous jusqu'à 25 ans. Pas de produits chimiques, c'est tout naturel. Si vous voulez prendre quelque chose, j'ai fait la présentation, c'est pas moi qui est le vendeur.